d'abord. Tu es arrivé au fond. Bon, alors, d'après ton signal, t'es sur les coordonnées. Tu vois notre cargaison ? Pas encore, du moins. Et toi, tu reçois un signal, là-haut ? Malheureusement, non. Ok, je vais continuer à descendre le courant. Bien sûr, tiens-moi au courant. Le ferai. Hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille, tu veux remonter ? Non, ça va aller. Ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule tout. Je vais la trouver. Ok. Quelque chose là. Qu'est-ce que c'est ? Pas de rouille, la bonne couleur, elle s'est peut-être déchirée en heurtant les rochers. Eh, je comprends rien. Désolé. On dirait un morceau de notre épave, elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake, tu m'intéresses. Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvé. Super, de quoi elle a l'air ? Elle a souffert, mais elle est entière. Qu'est-ce qu'on a là ? C'est bon, je vois l'intérieur. J'ai l'impression que la plupart des caisses sont là. Tu peux me donner le compte exact ? Ouais, il va falloir que j'aille à l'intérieur pour ça. Attends. Bon, c'est parti. Petit gars, c'est bon, je suis dedans. Ah, on dirait qu'une grande partie est encore attachée. Voilà, on a une, deux, trois, quatre. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler ? Je suis sûr que la caisse est... J'en ai trouvé une. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on te soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses plaies. Ouais. Non, la caisse n'aurait pas pu dériver aussi loin. J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Une caisse de sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi. Ok, j'ai le câble. Je vais essayer de l'enrouler autour dans les essieux. Ça devrait marcher. Ouais. Ok.
premier. D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Ok, ça te suffit? Ouais, parfait. La lâchez pas sur moi. Je te promets rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Allez, allez. Et voilà. Et il me reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas, voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte? Ouais, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les élingues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Regarde-moi cette beauté. Comment tu te sens? Mieux maintenant, je suis sorti de la rivière. Je vais puer le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je suis patiente. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Sinon, elle est légère, cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche, là. Drake, je t'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment? Parce que là, j'en peux plus. Non, tu sais ce qui est impressionnant? Ton odeur. Je sais pas trop, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. C'est bon, il passait tout ça en numérique. Regarde-moi, tu peux te prendre de place. Attends un peu. On en reparlera plus tard. Mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois, ça fera une pause. Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça? Et le boulot de jeudi alors? Oh, tu rigoles. Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai. Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près maintenant? À toi l'honneur. Ok, on lève. Ouais, bien sûr. Merci. Waouh. Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là.
Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois? Si tu veux, c'est toi qui vois. Hé, t'as fait du bon travail. Merci. Du cuivre. Hé, hé, Nate! Nate, attends. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur les paves au large des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement, on a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job, le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations? Non, il n'a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devras en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, mais ok? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains.